Bonsoir, c'est un plaisir une autre fois encore pour l'ensemble pour nous présenter un programme. Dans la langue créole haïtienne, aujourd'hui, c'est jeudi 25 juillet 2024. Quel est le grand point qui a dominé l'actualité? Actualité ici aux États-Unis, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontré dans la Maison Blanche jeudi avec président Joe Biden, un jour après qu'il prend la parole devant deux chambres congrès réunies. États-Unis toujours en pile rassemblement avec activité électorale avec vice-président démocrate Kamala Harris et ancien président républicain Donald Trump. Haïti, pendant période état d'urgence sécuritaire, gouvernement a essayé chercher résoudre dossier zone que l'État a déclaré d'utilité publique. Et puis en pile activité dans la ville Paris, dans le pays de la France, yon joue avant coup d'envoi Jeux Olympiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On leur fait encore merci d'être choisi VOA Creole pour informer vraiment vrai et grand pile activité dans la ville Paris, dans le pays de la France, parce que demain, c'est pour le coup d'envoi Jeux Olympiques. Mais actualité, c'est ici, au Washington, côté que le président Joe Biden recevra jeudi à un bureau ovale, la Maison Blanche, pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Et situation humanitaire dans Gaza, cessez-le-feu dans la guerre Israël contre Hamas là, et puis prisonniers qui n'en met israélien, prisonniers palestiniens qui n'en met israélien, et puis augmentation assistance humanitaire pour palestiniens dans Gaza, et bien, point ça a été dominé rencontre de leaders, on a loin ça puis près. We meet today at a crossroads of history. Après un discours fleuve devant deux chambres congrès réunies, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a continué vireron historique dans Washington. Jeudi, président Joe Biden recevoit dans la Maison Blanche avec une apparition spéciale dans le bureau ovale la Maison Blanche là. Un point qui était dans la conversation de leaders, c'est cesser le feu dans la guerre Israël à mener dans Gaza contre Hamas. Une guerre qui l'a depuis environ 9 mois. Président Joe Biden accueille leader israélien dans la Maison Blanche et Netanyahu, premier ministre là, bat bravo pour soutien président Biden toujours by pays Israël. Monsieur le Président, moi remercie pour 50 ans de service public et soutien ou toujours by Israël et moi content jodia pour me discuter avec vous, travailler avec vous dans moi Kavin là. Et président Biden bon côté parle lui-même, il t'a fait un rappel historique, il t'a remercié la presse sans lui pas répondre question, journaliste t'a essayé poser. Avant rencontre là, t'es gain responsable communication la Maison Blanche John Kirby qui lui-même croit que faut déboucher sous yon cessez-le-feu. Monsieur John Kirby dit qu'en pile lacune qui existait et tokay dans deux camps en Israël et aux États-Unis a travail pour capable joindre yon entente. Et il ajoutait que président Joe Biden dans rencontre avec premier ministre Benjamin Netanyahu a essayé ouais si ta joindre yon entente qui débouchait sur yon cessez-le-feu. Avant rencontre là toujours t'es l'autre gros responsable dans la Maison Blanche qui te dit rencontre ça a chita sous guerre Israël contre Hamas dans Gaza et président Biden a bien pour l'exprimer engagement en faveur sécurité Israël. D'après même sous cela réunion ça et ben t'es a chita sous menace contre Israël qui a sorti bon côté groupe qui joignent soutien dans main Iran dans région Moyen-Orient tant coup Hamas, Hezbollah et qui basé dans Liban avec militants outils qui dans Yémen. Situation humanitaire dans Gaza, cessez le feu dans guerre Israël Hamas la ak libération otage qui nan men Hamas et prisonnier palestinien qui nan men Israël et augmentation tout assistance humanitaire pour palestinien nan Gaza et ben yo tout suscité discussion nan mitan de leaders et puis vice-présidente la Kamala Harris qui trouvait nan campagne konya et ben elle doit rencontrer avec dirigeant israélien Pita jeudi a. Donc oui, on a fait marquant pendant visite premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans Washington, gagné en pile manifestation qui fait notamment l'été dans le Congrès, était devant deux chambres Congrès réunies, et ben t'es en pile manifestation qui t'a fait pour non seulement dénoncer guerre mais mander yon cessez-le-feu et au tabouré parole piment bouc contre premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Mais en Israël même réaction au département par rapport à discours et par rapport à visite là Jean-Robert Philippe à suivre de très près pour nos situations. Jean-Robert est dans le pays Israël et il y a des gens qui ont accueilli, non seulement visite là, mais discours que président, premier ministre plutôt, premier ministre Netanyahou fait devant deux chambres congrès réunies. Effectivement, Jacques Nejondia, et c'est un discours que les Palestiniens qui sont dans le territoire de Gaza ont critiqué le chef gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu. Ils ont dit qu'il y a un congrès en paquet municipal, pas de chambre du congrès, effectivement, Jean-Bala et normalement, et que tout ça le dit devant deux chambres réunies sont paquet municipal. Pendant ce temps, dans Jérusalem, qui est la capitale là, et bien, les résidents eux-mêmes, ils ont battu bravo pour le premier ministre, ils ont battu bravo parce que
dit premier ministre dit toute la vérité et que content à discours ça que chef gouvernement fait devant le chambre congrès américain. I deeply appreciate America's support including in this current war. Réaction partagée en Israël à territoire Gaza après discours premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prononcé devant deux chambres congrès en absence du vice-président Kamala Harris qui lui-même était le président de session. Assistant ministre des Affaires étrangères palestinien Omar Awadala déclaré que c'était un discours non-sens total qui chargeait avec gros mentir que même congrès a supporté tant qu'une comédie théâtre absurde qui en général c'est ennemi idéologique cause palestinienne. Nasser, un résident palestinien hébron, déclaré tout à fait normal pour qu'on réaccueille le premier ministre Netanyahu, j'en fais là, à paquet à position ça. Puis, faut assister, c'est soit ou c'est juif, ou bien il y a un support aux États-Unis. Dans le discours, le premier ministre a décrit un plan pour déradicaliser Gaza après la guerre et puis former une alliance entre Israël avec les Arabes et les États-Unis. M. Netanyahu rend un groupe militant amassé responsable grand groupe dans le territoire pendant qu'il insistait que Israël protégeait les civils. Abou Mohamed, un Palestinien déplacé, pas d'accord avec la déclaration du chef gouvernement israélien. Il a déclaré majorité de monde qui mourit dans le territoire Gaza, soit 90%, c'est civil, qui contrait avec la déclaration du leader israélien en fait devant le Congrès. Permettre l'organisation internationale de visiter l'hôpital pour constater que le monde qui mourit, c'est le monde vieillard avec femme. Premier ministre qui profite de chercher support aux États-Unis pour jouer des armes et munitions pour continuer la bataille là et qui déjà tué plus passé 39 000 Palestiniens et blessé plus passé 90 000 autres depuis l'armée israélienne a été lancée offensive en octobre 2023. Après militant Hamas a été attaqué plusieurs un gros problème pour les joindre. Un cessez-le-feu, libérer otages et puis joindre une paix définitive dans la région. Dans Jérusalem, population bat bravo pour discours premier ministre fait devant Congrès, a peut-être lui dit la vérité. Pendant qu'il dit, il était doué, mettez plus accent sur otage. Laurie Heller, qui gagne 70 ans et qui était parlé avec l'agence Nouvelle Reuters, déclarait que c'était un bon discours. Chez le gouvernement israélien, a visité les États-Unis, dans le moment, le tribunal criminel international a lancé un mandat d'arrêt contre lui, quelques membres du gouvernement, et leader membre du groupe militant Hamas. Joubert Philippe, Vieux à Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Et dans Washington, et hier soir, président Joe Biden délivré un discours et pour expliquer plus ou moins pour raison qui fait que l'écrasant quitté ça dans la course présidentielle là et endossé vice-présidente Kamala Harris. Sandra Lemaire, gain détails. Président Joe Biden déclaré mercredi, il décidera l'école dans la course présidentielle là contre Donald Trump à cause que sauté les gagnants pour avenir pays États-Unis. Ses premiers commentaires publics li fait depuis annonce li publié dimanche pour faire connaître li quitté course là. I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title. I draw strength and I find joy in working for the American people. But this sacred task of perfecting our union is not about me. It's about you, your families, your future. Thomas Jefferson, George Washington et Abraham Lincoln pendant qu'il était décrit à Mouli pour bureau A que il pourrait quitter dans 6 mois et puis clôturer presque un demi-siècle comme fonctionnaire l'État. My leadership in the world, my vision for America's future, all merited a second term. But nothing, nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. Biden, 81 ans, t'est repoussé pression démocrate t'est metté sous lit pendant plusieurs semaines après débat tête chargée t'est gagné avec Donald Trump 27 juin passé à. L'était dit que seulement grand maître là t'est qu'à convaincre lui pour le bail vague. L'était passé plusieurs jours à réfléchir et puis agoniser sur résultat sondage qui montrait l'état capable perdre face à Trump le mois de novembre là.
et puis causer compatriotes démocrates Léo pour y perdre course là tout. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. Biden t'est parlé pendant 11 minutes. Il fait référence plusieurs fois à danger liquide qui posait pour Américains si Trump remportait l'élection 5 novembre, non, sans n'y pas citer non Trump directement. Il dit que des palis dans la course présidentielle là va aider guérir blessés partis démocrates là et puis unifier yo en bas un seul objectif qui c'est remporter l'élection. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Après toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, n'a parlé élection dans la campagne présidentielle là, et ben candidat parti républicain Donald Trump a fait face à un nouveau opposant en parlant de après que président Joe Biden t'ait fait retrait comme candidat parti là, Valérie Saint-Louis depuis New York. Républicain ou dans la convention nationale semaine passée, t'es content ou est pression qu'ap monté sous président Joe Biden pour le démissionner comme candidat supposé parti là. C'est comme ça que l'elle t'est démissionné comme candidat, y était déjà paré. Si vous t'es jamais demandé tête ou qui Jean Joe Biden t'est arrivé fait des ordres sous frontière comme ça, songez, il était gagné monde qui t'a aidé. Avec publicité ça qui changer attaque yo sorti sous Biden pour arriver sous vice-président Kamala Harris qui a blâmé lui pour une vague quantité immigrants illégaux qui rentrait sous frontière yo. Moi j'ai travaillé sous problème ça pour un bon petit temps. C'est vérité à sous Kamala Harris, li dangereusement libéral sous causer immigration illégale là. Dans premier événement campagne comme candidat présidentiel démocrate, Kamala Harris était paré pour contre-attaquer, li rappeler électeur yo travail li comme prosecutor tribunal et procureur général. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. Et puis dans job ça yo, moi t'ai fait face à toute qualité prédateur. Prédateur qui t'ai fait abus sur femme, escroc magouilleur qui t'ai cassé pour être consommateur yo. Cheaters, tricheurs qui t'ai crasé règle la loi yo pour propre bénéfice yo. So hear me when I say. Donc tandem l'aime dit nous, moi connais qualité Donald Trump yo. Kamala Harris récalibré course électorale que ancien président Donald Trump a mené la donne, selon expert Darrell Wells de Brookings Institute pour études sous gouvernement. Mlle Brel très compétitif dans l'État important Midwest, Pennsylvanie, Michigan, à Wisconsin. Et puis, moi pensais que le Brel remettait quelques dans l'autre État qui aurait les swing states et qui était commencé à glisser aller, État en cours Arizona, retourné pour démocrate. Pour Donald Trump, candidat républicain, un nouveau opposant rival politique, vle dit, un nouveau tinon jouet pour passer le nan risible. Moi, je l'ai Kamala dans Grien. Où j'aime garder le capri? Li fou. Ou connaît, ou ka di un pile bagaille de yon moun sous façon liri. C'est une campagne qui gagne confiance que le capable battre n'est pas démocrate, d'après Mina Bosse de Hofstra University. Clairement, ancien président Trump et staff campagnien, yon te pensé que président Biden était un candidat qui yon ka battre. Yon semblait que yon gagne même opinion ça de vice-président Harris. D'après Darrell West, changement après avoir dit quelques ajustements pour campagne républicaine. Yo. Yo juste pas l'obligé remanier tout point campagne yo a, qui t'a dit que Joe Biden était trop grand monde, il n'est pas capable de faire travail là et que famille était dans corruption. Tout ça disparaît pour n'y a là. Mais moi certain que yo pral bien vite passer à l'attaque. Yo pral faire remarquer que mamzelle sorti dans l'État California qui est plus libéral dans reste pays. Candidat colistier Donald Trump, J.D. Vance, t'es shooté sous vice-président Harris. Les blâmer vice-président pour mauvaise performance Joe Biden. Pays noir t'es lagué pendant 3 ans et demi dans main du président qui pas de café travail là. Et c'est parce que Kamala Harris et le reste démocrate t'es bail menti sous capacité pour le vice président noir. Kamala Harris dit électeur gain un choix clair entre vision pali et vision pas Donald Trump là. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays qui gagne liberté, compassion et respect, règle la loi, ou soit un pays qui gagne désordre, la pérèse et trahissement? Mais bon, t'es moment ça, nous chaque, nous gagne pouvoir pour répondre à question ça. Pouvoir, c'est pour peuple là. Premier sondage politique, bureau vote, depuis retrait Joe Biden et monter Kamala Harris comme candidat, diminuer différence quantité vote parti li a gagné avec Donald Trump. Pour VOA News, Scott Stearns, adaptation créole, Valerio Saint-Louis. Pour VOA Créole, New York.
N'a quitté actualité ici aux États-Unis, nous parlons en Afrique, et bien actualité a mené nous plus précisément dans le pays Kenya, côté président William Ruto, mettez quelques membres dans l'opposition, dans le nouveau cabinet ministériel, mais ça n'a pas empêché que les manifestants continuent à mener un mouvement protestation contre le gouvernement. Gentil Augustin Junior, il y a un détail. Policiers Kenya ont tiré en l'air. Ils ont voyé gaz lacrymogène dans la RIA et puis ils ont arrêté manifestants jeudi 25 juillet 2024 là dans Nairobi, capitale pays Kenya. Malgré hier mercredi 24 juillet, président Ruto t'a parlé à la nation, il t'a proposé amendement dans loi anticorruption et marché public et puis il t'a nommé nouveau ministre. Quelque là-dedans yo sorti dans opposition. Président promet tout que gouvernement Kenya pral aider famille ak citoyen yo. The government of Kenya. Gouvernement Kenya pral bay assistance nécessaire pour toute famille ak citoyen qui perdit moun yo renmen yo. Manifestation yo te continue malgré président Ruto te retire législation contestée ya. Et puis li te fè yon passe men nan cabinet ya. Militant yo continue à demander changement dans le système nan pour attaquer problème corruption ak gouvernance nan niveau national ak nan niveau comté yo. The president is doing everything in his capability. Président a fait tout ça qui nan pouvoir li pour le faire pays a faire bac. C'est pour ça nous pas kabali plus temps. Li pas intéressé pour réparer pays a étant des revendications nou yo. Pour faire avancer cause nou yo par rapport à ça qui dit dans la constitution. Li ap agi en dehors constitution. Qui donc, nous te wè brutalité ya. Kek et tan anvan arrestation li pendant manifestation nan Nairobi jeudi 25 juillet ya, militant kenyan Wandjira Wanjiru te di. When we lose, le nou perdi la pérez nou, yo perdi pouvoir yo. Et puis, tout pouvoir souverain c'est pour Pep Kenya. En plus, 4 membres opposition yo, Ruto nommé 5 membres cabinet qu'elle était révoqué dans commencement mois ça pour répondre à revendication manifestant yo. Mais militants yo critiqué nouveau gouvernement comme une négociation entre corrompus. Jeune manifestant qui d'ailleurs 6 semaines manifestation qui te force Ruto 2.7 milliards dollars dans augmentation taxio te dit que gouvernement unité ça ta continue yon tradition leader yo choisi opposition en sous peuple là manifestation yo c'est plus gros crise dans de l'année Ruto sous pouvoir plus passé 50 moun mouri manifestation yo te continue même après tentative augmentation taxio te suspend kounye ya. Un pile militant a demandé démission Ruto ak réforme solide pour attaquer problème corruption. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Actualité à dans pays d'Haïti dans un petit moment. Et oui, ou toujours sous VOA Creole, observez un programme dans la langue créole haïtienne, n'a entré dans le pays d'Haïti, côté dans le cadre d'application état d'urgence sécuritaire, et ben, gouvernement, et ben, bay moun qui en bas la ville là, et ben, yo bay yo délai pour yo capable, qui 8 jours francs pour yo capable de dégager yo, Yves Manuel. Dans le cadre d'état d'urgence sous question sécurité, gouvernement ak mam CPTO décrété que ça soit 24 juillet 2024 document ça porté signati c'est l'île communication ministère travaux publics transport et communication dans document gouvernement rappelé gagnon arrêté qui publié dans moniteur dans numéro 86 vendredi 1er juin 2012 qui déclarait d'utilité publique propriété qui trouvait au sous axe boulevard Aritroman axe rue Joseph Janvier jusqu'à axe rue Monseigneur, rue Magasin l'État, axe rue Saint-Honoré, axe rue Chanmas et enfin ligne qui sous axe rue Henry jusqu'à rue L'Enterrement. Terrain sa yo yo destiné pour construire édifice institution publique qui était détruit en bas goudou 12 janvier 2010 là.
Concernant propriétaire qui donc met kay qui poko dédommagé mais qui était obligé quitter kayo, gagné ministère qui rappelé yo doit bay titre qui approprié pour finaliser processus dédommagement qui en attente. Dans ça ministère a mandé à tout occupant rue nos cité là yo qui réparti en trois blocs pour vider les lieux dans un délai 8 jours à compter publication communiqué. Il y a plusieurs rues qui concernaient par décision ça qui gagnent kay qui abandonné moun qui était dans kay sa yo couri quitter kay yo à cause violence gang armé yo dans dernier temps ça yo dans l'année 2012 processus expropriation pour construire cité administrative là a suscité divers remous côté gagnent gros manifestation qui était organisée cité administrative là te doit gagner la donne environ 46 bâtiments publics, espace qui est réservé pour commerce, bureau pour institutions internationales. Plus passé 10 ans après, seulement 8 bâtiments publics qui construit dans Erson Maslan. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves. Toujours dans le pays d'Haïti, conseiller présidentiel Emmanuel Vertilaire fait déclaration patrimoine hier mercredi 24 juillet 2024 là dans greffe tribunal civil première instance Port-au-Prince Machado Vilme. Représentant parti politique Petite Dessalines dans conseil présidentiel transition Emmanuel Vertilaire qui était accompagné à conseiller juridique li maître Emmanuel Gentil fait dépôt là devant greffier Tassim Ozor en présence commissaire gouvernement maître Lionel Constant Bourgoin ak doyen tribunal première instance Port-au-Prince lan maître Bernard Saint-Ville. Il vient remplir formalité dictée par la loi de la loi du 12 février 2008 et sur la déclaration de patrimoine et des personnalités politiques et des grands fonctionnaires des agents de la fonction publique. Responsable chantier justice en dans conseil présidentiel transition qui t'a visité tout paquet Port-au-Prince déploré infrastructure qui pa gagne dans espace qui loger institution judiciaire et puis plaider en faveur de localiser paquet. Moi pour le faire porte-parole de système. J'aime dire système là moi quand dans toute sa globalité, moi pour le porter message là ben conseil là et ensemble avec le gouvernement, nous sommes capables d'adresser le problème justice là et dans un temps record pour que il y ait quelque chose qui fait pour nous retirer tribunal de première instance de Port-au-Prince. L'un des grands tribunaux du pays, côté où il est là, n'est pas possible. N'est pas possible. Donc la justice lui-même, il n'est pas capable de reléguer au second plan. Et si nous avons besoin de pays nous développer, nous avons besoin de pays nous sortir dans la situation où il est là, il faut que les hommes politiques de ce pays aient une priorité à la justice. Dans la même journée, mercredi 24 juillet 2024, le conseiller présidentiel là, Emmanuel Vertilaire a visité tout bâtiment qui logeait l'unité lutte contre corruption ULCC. Il y a occasion pour le directeur général, M. Hans-Jacques Joseph, aborder besoin institution. L'autre nouvelle sous pays, l'autorité sanitaire fait connaître, il a averti dans la date 12 juillet passé, présence maladie charbon dans la commune Tigouave, puis précisément localité Fort Royal. Ça nous apprend dans un circulaire du ministère de la Santé publique et la population mettait dehors, côté au fait qu'on ait détecté cas ça après consommation, yon viande bête qui mourit. Autorité sanitaire au fait qu'on ait tout, des recherches qu'a fait dans le centre épidémiologique pour identifier source infection et puis mettre campé, mais y prévention à contrôle. Autorité au profité des populations pour éviter contact avec bête qui mourit, pour éviter propagation maladie. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Martial Ovilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme, ta connaissance so de dit dans commencement programme là, eh ben demain c'est pral coup d'envoi Jeux Olympiques, eh ben c'est ville Paris, pays la France qui a accueilli Jeux Olympiques ça. Et puis jeudi à ce jeudi, nous gagne rendez-vous avec Cosé Femme et mon qui a présenté, qui était préparé, qui a présenté, c'est Glorieuse Nelson. Dans la rubrique Cause et Femme jeudi, on a introduit Nadège Fleurimont, un entrepreneur haïtiano-américain qui est basé dans New York. Alors qu'elle étudie politique dans Columbia University, c'est sous cuisine et entrepreneuriat qu'elle choisit bâti carrière. Yon carrière côté manger à culture haïtien gagné premier plan. Monter au tijan né avant chaque coup du saut Haïti, c'est liste politique, problème social qui existait. Somme réalisé avec manger à moun plus te vin intéressé dans culture là, yo besoin apprendre des pays à qui j'ont mangé, qui l'ont mangé ça, qui j'en nous fait. Moi dit on préférer conversation ça. À l'époque moi pas de penser c'était au domaine qui t'a vin
carrière moi profession moi même vinn di ah bon continuer nan en créer conversation ça yo entouré de manger pour moun ka apprendre plus de culture et c'est là ça que fait nous arriver là. Année 2024 l'on fait 20 années depuis Nadège professionnellement intégré domaine cuisine. Li déjà écrit 2 livres parmi yo Haiti Uncovered qui débouché sous organisation plusieurs voyages pour touristes en Haïti. Entrepreneur a expliqué livre si là plus que recette cuisine qu'il a donné. Pour moi même c'est pas juste montrer manger à mes recettes là mais c'est plus introduire avec coutume, avec gens moun yo viv. En anglais, autant qu'on dit humanize Haïti. Parce que en pile fois, autant qu'on n'a pas qu'être moun yo parle de Haïti, autant qu'on c'est pas une place qui vrai. C'est autant qu'on so, ou la guerre qui existe toute la cette journée, tout moun apparaît. So yo pas même qu'à imaginer que moun gen day to day life. So moi pense que l'aimerais al voyager pour livre là en 2013-2014, moun vin dit oh. Regardez Nadège qui l'avait ici, qui finit ici depuis 7 ans. Regardez la voyage dans tout partout du pays. Hein, qu'on y a la prend recette, yo, la parler de manger, yo, la parler de coutumes manger en termes de cérémonie, baptême, communion, mariage. Qui est-ce qui fait manger les matins, ça nous mange les matins. Après plusieurs années d'expérience dans le service traiteur, ça nourrit les catering. Nadège décide d'ouvrir un restaurant qui relève Bounan, côté plat de base, là, c'est banane. L'a pas expliqué. Les amis africains, c'est ça net, yo reme banane, pan yo reme banane, moi dit ah, so si m'bay gou haïtien, moi bay saveur Haïti a, koun ya ke moi utilise banane nan ke tout moun reme, ça ou sorte li kembe a mission tout. Nan dat nou te visite Bounan ki situé nan Carrefour ki ton ak Flatbush Avenue nan local Flatbush Central la ki nan Brooklyn, Nadège ta bay yon kou cuisine. Jan nou ye ici, c'est pas comme ça moun nan viv en Haïti. So m'pense que manger a so jan ke ou gen doit kembe ou liaison ou lien que pour toujours ka connecter avec en back home parce que tant comme tout pas quelques jeunes qui fait des sites yo gen pas konnen rien de Haïti. Entrepreneur qui te gen chance menen qu'il ti a cuisine haïtienne en plusieurs gros institutions américaines tant que New York City Hall, BET News ou sinon la Maison Blanche fait konnen ces façon ça li capable porter contribution pour pays Haïti. Glorieuse Nelson pour VOA Creole depuis Brooklyn, New York. Merci Glorieuse Nelson et gon moun nou te ka pale de li tou nan Cause Fam. C'est Stella Jean. Stella Jean son designer, yon styliste qui basé qui rete nan ville Rome et li a présent nan ouverture Jeux Olympiques demain nan ville Paris. Yo di ville Paris nan pays la France c'est ville lumière mais yo di c'est la ville de la mode côté pral grand pile modis nan occasion Jeux Olympiques et Stella Jean pour le représenter Haïti la présent et la poté produit les sales fait comme designer comme styliste et il dit que c'est mettez en évidence eh ben style goût test ça veut dire en anglais Caraïbes là donc c'est yon moun pour nous suivre pas oublier non Stella Jean yon designer qui basé dans ville Rome mais c'est yon designer qui gagne origine haïtienne. Donc demain c'est coup d'envoi Jeux Olympiques dans ville Paris dans pays la France. C'est là nous mettez fin dans programme là. Merci Nelson, merci et Jean-Marc Hervé Abela. Moi c'est Jacques Belizer et Rob McLean. Bonsoir. C'est Utak soit team Udmo. Yo même y a mené des opérations depuis 17 et 18 juillet jusqu'à journée jeudi hein. Et selon agent exécutif intérimaire Crécia Jean-Vladimir Bertrand, monsieur dit que li tellement ouais cadavre jeune garçon qui gaillait dans zone les 12 dans section communale et m'kwè boucan côté que même population dans zone ça ba en pile bois calé avec deux bandits qui ont même blessé en babal la police calcou et cal caché et moun dans zone ça mobilisé et yo ba bandi bois calé metté sous deux bandits que la police yo même éteint la vie dans boucan de cousa avec yo et selon agent exécutif intérimaire commune Crécien monsieur fait qu'on est mais yo même à travers mairie c'est de gros trous à fouiller pour être capable eh bien enterrer de jeunes garçons qui ont même jeune résultat dans pied travail parce que ils ont décidé pour être capable prendre commune ça en otage tuer monde violer mesdames mettre différents commissariat mettre différents la caille monde complètement ensemble de action mais monsieur c'est vrai bandio
pas de problème, mais dernier temps ça yo, semble c'est la police qui m'ont sou yo parce que en pile nan yo va aller à des naissances. Nous allons venir avec et agent exécutif intérimaire commune Chrétien qui c'est Jean-Vladimir Bertrand qui était même bay une interview avec confrère nous Gaye Henri sous dossier ça. Mais nous allons venir avec un détail de interview que et Vladimir Bertrand lui-même ni bay. Desi Venès, laissez-moi dire que Bois-Calais a pas campé parce que Dema 75 Bois-Calais, dans le niveau Dema 33, mouvement et Bois-Calais a bâillé dans différents côtés de Delma. Et en pile côté dans la région métropolitaine Port-au-Prince, il y a pile disposition que nous apprenons dans ensemble zone pour garder comment que yo capable de griver, sécuriser et empêcher que bandits armés viennent envahir zone yo. En même temps, Desi Venès, barbecue continue à demander dialogue. Barbecue continue à croire que c'est dialogue qui peut gagner entre l'État avec eux-mêmes comme groupe armé pour qu'ils soient capables de gagner la paix et sécurité dans le pays. Et barbecue clair sur ça, il dit, si pas gagner dialogue entre l'État avec eux-mêmes, mais c'est à temps pour qu'ils s'en bien de sang criminel en dedans le pays. Et dans ce sens, ça, est-ce que l'État pral entendre dialoguer avec Negyo ou dis-moi est-ce que les qui ça l'État pral faire définitivement. Nous pral regarder ça et n'a venir avec une petite vidéo côté barbecue encore montrer que on y garde compris deux monde dans classe politique là eux-mêmes, yo même yo contribuer dans ça gland de pays et c'est eux-mêmes qui pas blessé, eux-mêmes qui empêcher pour que pas gain dialogue entre l'État avec eux-mêmes comme organisation criminelle. Et barbecue dit que à travers dialogue ça, eux-mêmes si l'État fait avec yo, il y a dit avec l'État, il y a dit avec pays, mais qui est-ce qui baille des armes, qui baille des moyens pour créer insécurité en dehors des Evenes. Parlant de barbecue, des Evenes, il y a une situation, mais il y a un événement qui arrive en dedans, puis gros bidonville pays, qui c'est Cité Soleil, journée qui c'était mercredi 24 juillet 2024. Là. Qui s'allie? Mes amis, mon a différentes localités en dedans Cité Soleil. Parce que pas blé Cité Soleil, gèblis des groupes armés en dedans cité. Et nèg yo té même empêché que tel zone bakal dans telle zone. Bon regardez bien, non zone yo bien parce que pas blié. M'gen non zone yo bien en bas chim là. M'a vin avec non zone yo des Ivenès en attendant que m'capable ba ou pour que nous garder exactement et ça qui gagné et non zone yo. Bon regardez bien non zone yo. Nous capable dit gagné et Brooklyn, Gay Boston, Gay Belekou, Ti Haïti, Leto 1, Leto 2, Projet Douya, pour ne citer ça seulement, mais c'est de localité en dedans Cité Soleil, jeudi en là, maintenant je n'ai mercredi 24 juillet, hein, semblait, ouais, midi, semblait que on la paix ta fête entre groupe armé en dedans Cité Soleil et qui t'a facilité, mon différentes localités, ça y est, capable d'aller une dans l'autre zone, midi, semblait. Parce que, et pas après, mais froid que, nèg yo bandi yo ap di yo fè la paix en dedans Cité Soleil, et puis après 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, bagala pété encore comme des autres. C'est vrai, monsieur, j'étais gon là, yo te fè on la paix pendant 3 ans en dedans Cité Soleil, parce que j'aime de gon tire te chit, parce que j'aime de gon balle qui te pété. Mais après 3 ans, la paix ça, et bien Cité Soleil retourne dans la même situation. Est-ce que la paix ça nèg yo di yo fè? Est-ce que son la paix pour que la vie capable de prendre en dedans Cité Soleil? Est-ce que son la paix en termes de arrangement qui a fait pour que la police et Miso Kenya n'en s'y a mis mené opération en dans cité pour qu'à contrer carré avec yo, c'est des questions à poser des Ivenes. Très bien, la situation de ça qui est pour avec la création, c'est la coordination avec action, consolidation, l'État haïtien entendant pour yon sien et en urgence qui est pour avec l'État d'urgence sécurité, et bien te gagne et qui établit sous 14 communes, te gagne gros rencontre qui te déroulé pendant et journée qui te passé ailleurs à Blaise Peterson et pour essayer de regarder situation sécurité département de l'Ouest avec la Tibonite qui pratiquement et c'est un engagement que le gouvernement prend pour lutter contre l'insécurité généralisée qui vient dans le pays en ces déclarations. Premier ministre Gary Conille rive fait dans quatre situations là. Il était aux environ 5 et 6 heures dans l'après-midi dans la journée qui passait à Yablès Peterson, population qui dans zone ça t'a lancé SOS qui trouvait dans zone route frère surtout zone et Kagou, yon zone qui est tout près de l'église Saint-Clair, dans la commune Pétionville, parce que gang crasé barrière, vite l'homme innocent a dirigé, participant de ce coup de balle dans différentes zones là depuis les 5h30 dans l'après-midi et dans la journée mercredi 24 juillet 2024 là, eh bien, ça qui t'a affecté zone là, tant coup, et zone Bagoujan,
ak yon pati nan tinel population Métivier ak Madjowo et ak lot section yo et doué très vigilant par rapport avec situation si la ki tap déroulé nan kate si la ou se bandi ak zam yo les situations qui continue à imposer loi yo et mouté que c'est eux même qui puissant pa gen côté que yo pa mete pied si bébé bougoy les situations nexa ont été annoncé même j'a bout et bout ba qui était annoncé que yo gen pour yo font coup de pied dans les Ogad dans diverses vidéos que monsieur mettait dans la rue. Est-ce que autorité qui dans l'état yo dans plus haut niveau dans la police là a croisé braio pour yo quitter ça va aller comme ça. Ensemble opération qui a mené dans Gressier yo selon divers médias l'explication nous cap dit que au bail information ça qui fait quoi que la police frappe fort plusieurs dizaines bandi rivé perdit la vie. Est-ce que la police saisit les armes li rete pour nous confirmer avec autorité section presse la police qui pour porter ensemble des détails ça sur Genzam qui est arrivé saisi dans mes bandits là qui dit qu'il mourit pas bande pas paquet là ça qui est pour avec résolution qui lié avec question crise humanitaire que pays a connaît pour kounia et ben qui c'est grande priorité et premier ministre Garry Conille qui chita tout sous base insécurité a créé goumen pour se cap permettre que sécurité retourne blayi dans mitan communauté ou des personnes qui paraît comme déception pour pays d'Haïti parce que ça qui a passé là c'est un coup ces portes dans jungle qui l'ouvre dans niveau département la Tibonite côté bandi fait ça et ouvre ak ça hôpitaux dans la Tibonite dans l'ouest à tout reste pays a et bien semblait que autorité décidé yo pas jamais suspend chita pour réfléchir sur ensemble problème ça ou des personnes et malgré gain divers attaques déjà en position pour dénoncer comportement et gouvernement et conseil présidentiel de transition avec Kakounia pour qui doit prendre disposition nécessaire qui cap permettre au moins qu'il résoudre problème insécurité avant on t'a parler des élections blessé personne. Journée mercredi a te symbolisé journée côté ensemble acteurs ont de réfléchir sur qui gens y a capable de nommer directeur général à travers bureau à travers ministère. Est-ce que ça arrive fait? Eh bien, pas de trop d'informations qui fait quoi? Et puis jusqu'à présent, décret à propos de sortie. Si décret à sortie, la sortie soit demain jeudi, c'est jour que journal officiel pays à les moniteurs, toujours sorti numéro. Est-ce que nous pourrons joindre quelques nègres là qui pratiquent pour un job dans l'État, qui pourraient chita sous chaise bourrée, pendant que le peuple a des situations qui sont très difficiles? Parce qu'en plus, c'est job qui a cherché, il n'y a pas cherché à changer condition la vie, population, tout bon vrai. T'as le désir. Mais c'est vrai que, à travers. Le moniteur est arrêté à propos de sortie qui nomme nouveau directeur des écrits général. Mais je vais regarder en bas, j'aime la métronome, métro ensemble de l'Isère. On est métronome, même ni dans votre befer lui-même. Et dans votre befer, on les a dit, il y a une information que le gars a gagné. Mais je vais regarder en bas, j'aime là. Et bon m'a quitté pour moi c'est arrêté à sortir avant ça pense comme professionnellement m'a quitté arrêté à sortir c'est pas oublier frère à la dernière minute nous avons changé et je j'ai des connex qui t'est allez dès que tu arrangé costume ni pour capable laisse ça t'après il t'est fait partie au gouvernement comme ministre il est danger costume ni border pour le dessin pour la présent pour aller dans délégation et ministre qui s'est présenté politique générale n'est pas le haïtien là danger costume ni désir. Pendant les gars qui même t'es monté bis, je fais pas ça. Bon, bah même ils sont voilà. Là, ils t'ont monté bis. Michel Joseph Martelly. Exact. Exact. Faire voilà, bref, quitter. Moi, non, c'est vrai. Mettez-nous dehors, c'est vrai. Bam, donne plutôt. Arrêtez à sortir les préférences et laisse ça nous-mêmes. N'a pas dit officiellement mais qui ça nous. Parce que là, au Rochem, qu'on est, c'est pas quelque chose malheureux. On va voir ça au CNH. Très bien. OCNH a adressé journée 22 juillet 2024 à Passéa. Yon lettre tout l'ouvri avec autorité ou dans le conseil présidentiel transition et avec gouvernement, et spécialement en copie conforme à joindre président et actuel conseil présidentiel transition, M. Edgar Le Benfils, dans l'idée pour être capable de demander pour agir de manière urgente dans sa qui vient pour avec régulariser l'état civil en dedans pays d'Haïti et puis yoté et accentuer tout ça qui vient pour avec problème identité en dedans pays qui c'est un défi majeur et notamment et qui joint jouissance et droit de vote ensemble des citoyens qui pratiquement pas qu'il y a opportunité si gagne élection pas fait pour quantité jeune garçon et jeune femme qui majeur en dedans pays pour jusqu'à présent des personnes qui pour gagne carte identification nationale lieu dans même et yo pratiquement OCNH a continué toujours pour demander avec autorité yo pour aucun responsabilité dans ça qu'il y a avec question insécurité qui gagne dans pays lui demander gouvernement pour prendre toute disposition nécessaire pour permettre que sécurité rétablie dans le département l'Ouest et le département la Tibonite qui pratiquement est qualifié comme repère des gangs en dedans pays. Consulat général à pays d'Haïti dans Miami
entendre pour organiser des journées d'activité, des portes ouvertes, 25 juillet, et une journée, et portes ouvertes qui peuvent laisser d'entre regarder, et pour permettre que les Haïtiens qui vivent dans une ville, aient un document de voyage, soit passeport, et permettre aux jeunes un document d'identification et tout. Et l'activité, c'est là, elle a commencé vers 9h le matin, et pour finir, et normalement, vers 3h. Et objectif, ça, c'est pour renforcer le lien à la communauté haïtienne qui vivent dans l'espace, c'est là, Blaise Peterson et les amis internautes. FADH, jusqu'à présent, continue dans ma dit qui se passe à gouvernement et plusieurs unités ou bien plusieurs entités dans PNH là, avec FADH là, t'es rencontré autour des consolidations, ça qui vient pour avec état d'urgence sécuritaire. Pour le premier ministre Gary Conin, il a déclaré synergie qui doit de développer entre ensemble et force l'ordre dans les pays, il doit réel qui permet que établi sécurité en dans Timoutè Papa Nation qui pratiquement pour une situation très difficile. Ben suite à son 47 individus jeunes arrestation, 5 armes à fils saisi, 2.244 kg cocaïne et une quantité marijuana, une quantité et une machine dérivée et saisie avec une motocyclette. C'est bilan opération la police dans ces pays a mené sorti 11 pour arriver 23 juillet qui se passe là parmi individus qui jouent arrestation yo. Gen yon présumé 16 présumés gang armés et puis 5 trafiquants et drogue à 4 présumés assassins et la trier d'après Michael Valesco qui se porte-parole pour ça dans Sidès qui partage ensemble information ça avec la presse. La situation sous question la paix qui fait dans Cité Soleil dans divers quartiers côté ouais c'est levé à lever barricade c'est nettoyer qui a nettoyé et ben les grands suscité un paquet réaction bon côté des acteurs qui veut qu'on est. C'est un jet que monsieur a joué qui permet que le gouvernement avance plus près avec niveau de dialogue qui a demandé et pour jouer avec le gouvernement pour qu'il y ait un bénéfice du doute pour continuer à théoriser les gens, les situations et les amis internautes. Et puis, il y a divers acteurs qui réagissent, tant que Rosemont Jean qui a une conférence de presse pendant la journée de la situation. Monsieur passe par moi, Jean-Charles, sous question on caille que Toro Gondé, animal politique ou bien grand maître politique là. Déjà préparé pour acheter un caille pour gros l'argent. Est-ce que c'est pas 700 000 présentations? On va venir avec précision. Et heureusement, j'ai avancé. Pourquoi moi, on question de 700 000 $? 700 000 $, je crois, c'est pas comme ça. Qu'à parler. Quand est-ce que je viens l'argent avec Babinza? 700 000 $ américains. C'est pas ici. Bon, les gars, t'es passé comme ancien sénateur, t'es passé comme conseiller président. Moïse fait plusieurs années magistrat. Non, attendez. Ou pas, c'est une question. M'a pensé garder pour moi, ça cabale l'argent. Tu es passé sénateur. Ça veut dire, si on pendant 6 ans. Hey, tu m'as pensé garder pour moi, ça cabale l'argent. Qui donc? Moïse, son maître, son master. Ou bien, bah, qu'on est. Ça va me garder. On garde salaire, monsieur Blaise. Bon, bah, qu'on est. Combien de payés de sénateur? Bah, j'ai un salaire sénateur, non? Ou même qui sont un salaire sénateur, dis-moi non. Mais pour 700 000 $, Blaise. 700 000 $ américains. Bon, Moïse qui tout a. On ne peut pas acheter aux États-Unis, je pense que c'est 300, 400, 600 000. Ça va aller de qui côté dans le state ou dans la ville. Moïse a acheté presque